Ravi que vous ayez choisi un plissé de Liselhomme. Ici, vous apprendrez comment l'attacher à la barre vitrée pour qu'il se trouve juste devant la vitre plus tard. Pour le transport, le plissé est emballé dans une housse en papier. Déchirez-le simplement et prenez votre plissé. Les pieds de serrage sont déjà préassemblés à l'intérieur. Dans la boîte, vous trouverez également des vis adaptées, des capuchons de protection et des poignées de commande. De plus, vous aurez besoin d'un crayon, d'un mètre ruban métallique, d'une perceuse sans fil avec une mèche fine, d'un tournevis et enfin, d'une paire de ciseaux. Comme préparation, faites glisser une poignée dans la rainure de chaque rail de départ et positionnez-la au centre du rail. Déterminez d'abord la position exacte de votre plissé sur la fenêtre. Pour ce faire, placez-le au centre de la barre vitrée de votre fenêtre et marquez les points correspondants. Veillez à travailler parallèlement en haut et en bas. Marquez maintenant les trous de perçage. La vis est située à 13 mm du bord du rail. Gardez également une distance d'au moins 15 mm par rapport à la vitre. Une distance plus grande est possible, mais assurez-vous que le trou soit à au moins 5 mm du bord avant de la barre vitrée pour que le pied de serrage soit aligné avec elle. Répétez cette étape dans les quatre coins. Gardez toujours la même distance par rapport à la vitre. Percez maintenant délicatement les endroits marqués avec une mèche fine. Il est temps de visser le plissé. Commencez par la barre vitrée supérieure. Vissez les pieds de serrage de manière à ce que les cordons de serrage soient à l'extérieur et non tordus. Ne serrez pas complètement les vis des pieds de serrage inférieur afin de pouvoir retendre le plissé sur la fenêtre si nécessaire. Pour cela, tirez les cordons de serrage vers le bas depuis les pieds de serrage jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment tendus pour maintenir le plissé horizontalement en position. Fixez ensuite définitivement les pieds de serrage. Coupez les restes de cordons directement à la base. Enfin, placez les capuchons de protection sur les pieds de serrage. La petite encoche est destinée aux cordons de serrage. Les capuchons de protection s'enclenchent avec un mouvement de basculement vers les cordons de serrage. Et maintenant, profitez de votre nouveau plissé de Liselhomme.